Hello les gens! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale qui consistera tout simplement à travailler petit pied en longue graine. A savoir que c'est la toute première fois que je fais un tel travail avec lui, et encore plus avec un cheval ou poney d'ailleurs. Mais en regardant 2-3 vidéos YouTube bien expliquées, mais aussi en faisant quelques petites recherches, j'ai pu à peu près comprendre le principe de ce travail. Mais je veux bien reconnaître que je suis novice là-dedans, tout comme petit pied, et que je peux faire des erreurs dans ce que je lui demande. D'où le fait qu'il est important de toujours se remettre en question. D'ailleurs, lors de cette séance, je vais travailler la position de mes rênes, de mes mains, ainsi que ma position du corps, comme si j'étais à cheval tout en étant à pied. Et je peux vous dire que c'est vraiment pas quelque chose de simple, surtout quand on débute là-dedans, et c'est encore pire quand on a un jeune cheval qui débute lui aussi. Mais j'ai quand même de la chance, car pour le coup, petit pied a assez vite compris ce que je voulais, et du coup se place vraiment bien de lui-même. Même si parfois elle ne comprend pas trop certaines de mes demandes, car je pense que je ne suis pas assez fluide, voire un peu brouillonne pour lui, ce qui nous pose quelques petits problèmes d'opposition de sa part dans certaines de mes demandes avec lui. Dû au fait, je pense qu'ils ne comprennent pas ce que je lui demande, mais une fois que l'on s'est compris, tout va pour le mieux. D'ailleurs, durant cette séance, je vais beaucoup travailler l'allure du pas, la direction et surtout les arrêts, car c'est quelque chose qu'il a du mal à tenir. L'arrêt, c'est un peu compliqué parce que lui, en fait, ce qu'il veut, c'est être toujours dans le mouvement. Mais je sais qu'il va y arriver. On travaille aussi un peu le trot par moment pour voir un peu son comportement et il m'a par ailleurs bluffé. En effet, il est resté très calme et ne s'est pas mis à chauffer comme à son habitude lors de nos cours de longe. Mais je vous laisse découvrir notre séance avec les images qui vont suivre. Regardez-moi ce petit cheval là qui apprend à rester à la porte. Bon, c'est une fin de séance un peu mitigée, hein, comme vous avez pu le voir. Bon, c'est la deuxième fois qu'on fait des longues graines avec petit pied, donc il connaît pas trop. Moi je débute aussi, j'ai appris à travers des vidéos, hein, YouTube comme d'hab. Et du coup, on apprend tous les deux, quoi. Donc voilà, il a été plutôt bien dans l'ensemble. À un moment, il s'est énervé, mais c'est parce qu'il y avait plein de mouches, en fait, qui l'ont kikiné. Donc du coup, il a pas l'habitude de travailler avec les mouches, en fait, tout simplement. Donc là, on est en train de tout lui apprendre. Et donc du coup, il faut qu'il apprenne que c'est pas lui qui décide quand il a envie. Donc voilà, donc en gros là j'ai fait des longues graines avec lui pour lui apprendre un petit peu, bon bah toujours les codes, prendre la piste et tout. On va voir demain ce qu'il dit avec son petit cavalier sur le dos, donc c'est son petit cavalier, c'est rien d'autre que mon frère.
Faos. Là, vous voyez là. Il avance, il avance, il avance. Tu recules. Tu recules. Bien. Je lui demanderais de reculer, il ne le ferait pas. À distance, au bout de la longe, il le fait, mais là, si je lui demande de reculer, il ne le fera pas. Donc voilà, donc en gros, voilà un petit peu ce qu'il en est du travail avec petit pied. Donc comme vous avez vu, là, sur la fin, les longues graines, ça allait beaucoup mieux. J'ai eu quelques petits moments de rébellion, mais voilà, dans l'ensemble, on a fini sur des bonnes petites choses. Voilà, allez, sur ce, moi, je vais vous laisser. Je vais aller m'occuper d'enlever tout ça à petit père. Et puis voilà, et puis vous voyez que mes longues graines ne sont pas... très académique, tout simplement parce que j'en ai pas acheté. Je sais où en acheter, hein, sur Kramer ils en vendent, mais voilà, j'ai pas spécialement envie de faire l'investissement. Je verrai si pour plus tard je fais l'investissement. Là c'est vraiment pour les débuts, pour lui apprendre. Donc du coup, j'ai pris ma longe de travail. Voilà, allez, sur ces quelques petites explications, je vais arrêter de blablater. Moi, je vais vous laisser. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo avec Petit Pied comme avec Papillon. Et puis, je vais vous laisser sur ces quelques petites images avec Petit Pied. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est complètement gratuit. Et puis, moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.